Donc je vais vous montrer comment on le fait. C'est relativement simple. C'est comme ceci. En fait, ça ressemble un petit peu à un hopper, hein. Un hopper, excusez-moi. Hop, et voilà. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Donc c'est de la stone, hein, donc de la cobblestone cuite, avec donc des planches, donc ici et glass bottle au milieu. Et vous obtenez un ink mixer. Voilà. Hop. Merci. Au revoir. Le ink mixer, comment il fonctionne? Relativement simple. Donc on lui met ici de l'ink vial et du paper. L'ink vial, je vous montre comment on fait ça tout de suite. Je n'ai plus d'encre. Donc c'est simplement, hop, donc ink, voilà, ici. Et bottle, bouteille d'eau. Voilà, ça se fait comme ceci. Voilà, vous avez de l'ink vial ici, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Le papier, si vous savez pas comment le faire, je peux plus rien pour vous. Voilà. Et donc, en sortie, donc on a des glass bottles et les ink panels. Donc, en fait, ça c'est l'entrée et ça c'est ce qu'on donne en sortie. Pour faire simple, à chaque fois qu'on va prendre une, alors. Récupérer les bouteilles, hein, c'est pas un problème ça. Donc en fait ça va remplir ici d'encre et ici on va avoir donc des ink panels. À chaque fois qu'on va en prendre une, paf, voilà. Donc ça va nous créer la suivante et ça va nous utiliser une bouteille d'encre, du papier, donc évidemment qui tiendra le ink panel, et on peut récupérer donc la glass bottle. Voilà. Donc ça rien de compliqué et on a le ink panel. Ok, ink panel. Donc ça sert à rien, ça sert à rien. Ça je le renvoie, ça je le renvoie, ça me sert à rien, ça non plus, ça je vais m'en servir, ça et ça. Ça plus tard, on va garder ça, les livres me servent à rien, et le reste on va garder. Ça je peux le renvoyer. Ok. Ensuite, donc, on va pouvoir se créer des inkbooks. Donc pour ça, rien de compliqué. On prend une table de craft. Table de craft, j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas. Vous prenez, enfin, table de craft ou en fait l'inventaire. Je sais pas pourquoi j'ai. Voilà. Et vous avez donc le ink panel avec donc du layer, donc du cuir. Vous obtenez un unlinked link book. Ok. Bon, nickel. Donc rien de compliqué, donc là vous vous mettez à l'endroit où vous voulez respawner, donc je me mets sur ce bloc là, je regarde dans cette direction, faut pas que je clique sur quelque chose, voilà, je fais un clic droit, et mon livre est linké, et si je clique dessus, voilà, il me propose de retourner dans l'overworld. Ok. Et un truc que je n'ai pas compris, c'est comment on le récupère. Alors à mon avis après il faut book modifier. Super le camion qui passe. Donc à mon avis parce que le truc c'est que là si je vais par exemple dans le Nether et que je me sers du Inking Book, il va tomber au sol. Oui c'est con mais il va tomber au sol. Et donc je vais pas pouvoir le récupérer. Il est au sol, il se comporte comme un mob. Il a 4 points, il a 4 coeurs de vie. Et je peux pas le récupérer. J'ai dû le détruire et je ne l'ai pas récupéré. Donc voilà, donc là il va falloir que je réfléchisse comme donc à mon avis on doit avoir un truc qui s'appelle le modifier, un link modifier dans Minecraft. Voilà, c'est ce truc là. Alors ça je n'arrive pas à en trouver le craft. J'espère qu'il est plus bas dans la page que je suis en train de parcourir. Non, je ne trouve. Ah, attendez.
Modifier son lit. Il nous faudra. Ah, d'accord. Attendez. Oui, mais je trouve pas le craft du link modifier. C'est le problème. C'est le seul problème que j'ai, c'est que j'ai la doc là qui me parle du link modifier, mais je n'ai pas le craft. Je n'ai pas le craft. Et il est pas dans Feed the Beast. J'ai beau cliquer dessus, clic droit, clic gauche. Non, j'ai pas le craft de craft en des link modifier. Graphique. Non, c'est pas ça. C'est con, je trouve pas le craft. Il doit bien y avoir moyen de le crafter, ce truc. Modifieur de lien, ouais, en français, oui, ça donne ça. Bon, les 5 modifications, merci. Ah, ça y est. Recette, ok, d'accord. Eh ben, ça coûte cher, hein. Alors. Ouh, eh ben. Alors, il me faut du diamant. Et tu peux arrêter de me... comment je le désactive ça? Je sais pas. Bon, allez hop, diamant. Il m'en faut plus que ça. Quoique. Ouais, c'est ça, il m'en faut un de plus. Bon, il... Il me faut 8 blocs de diamants. Dans un premier temps. Tu peux arrêter de me... voilà, ok. Bon, c'est bon. J'ai réussi à le désactiver. Je sais pas comment. J'appuie sur CTRL et majuscule comme un taré. Ok, et il me faut du gold que j'ai déjà en bloc. Donc ça, c'est pas un problème. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Et non, ce craft-là ne marche pas.
C'est le craft que j'ai dans Feed the Beast. Alors attendez, parce que parfois j'ai appuyé l'énergie stick qui me fait des trucs bizarres, qui reconnaît pas les crafts, donc je vais le faire sur une table de crafting. J'ai eu le tour tout à l'heure. Non, il n'en reconnaît pas. Il connaît pas ce craft. Bon, on va se débrouiller autrement, c'est pas grave. Bon. Alors, admettons que j'aille dans le Nether pour pouvoir utiliser le bouquin. Alors, on va aller. Bon, c'est ici qu'on. Allez, admettons, on va le mettre ici. Hop. Hop, voilà. Est-ce que je peux le récupérer là? Si je le récupère, admettons. Enfin, si je le casse, admettons. Non, vous voyez, c'est une entité. Et je l'ai détruit et je peux pas le récupérer. Il se comporte comme une entité après. Il se comporte comme un mob. Ce qui est très très bizarre. Je peux le mettre que sur un support hein, qui reste là. Ou que dalle, quoi. C'est con cette histoire. Je sais qu'il y a des moyens pour. J'en profite pour récupérer un peu de glowstone, hein. Parfois ça m'est utile. Il y a du quartz ici. Bon, donc voilà un petit peu le fonctionnement. Bon, bah tant pis, hein. Je vais me faire plusieurs boucles de l'overworld. Raté. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ça va me permettre de pouvoir retourner dans le... Bah, comme je l'entends dans l'Ender. Me faites pas peur comme ça, les tourelles. Hop, bah écoutez, on va se faire ça. Il va m'en falloir au moins deux. Donc j'ai vu qu'on pouvait aussi balancer des trucs là-dedans, hein. C'est ce qu'il disait dans Minecraft, mais alors attendez que je vous lise ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il parle de probabilité. Ça veut dire que quand on met l'ingrédient, on a plus ou moins de chance. On a soit chance minuscule, soit petite chance. Alors, elle est sympa. Alors apparemment faudrait mettre des plumes. Si on met des plumes...
plume ou de la poudre de diamant. On va essayer ça. On va essayer ça. Ah bon, ah, on peut les mettre comme ça en plus. Bon. Bon, on va essayer. Mince. Donc, des plumes, donc c'est des phasers. Aussi d'en mettre en stock, on verra bien ce que ça donne. Ok. Ok, donc là ça a marché. Par contre, il m'a bouffé mon stack de plumes, hein. Direct, hein. Pose pas de questions. Hein. Bon, on va l'essayer. On verra bien ce que ça donne. Donc celui-là, il est maintain mon TM. Ok, allez, hop, admettons. Hop, je link. Hop, non, ici. Non, ici, comme ça, voilà. Donc, c'est de l'overworld. Et normalement, donc si je comprends bien, celui-là, il doit me rester en main. Donc là, si j'utilise, hop, overworld. Non, il m'est pas resté dans la main. Bon, donc c'est pas ça, ces types-là. C'est autre chose. À mon avis, ça doit être quand on les met dans le binder pour... ou l'autre, là, pour pouvoir créer des mondes. À mon avis, c'est plutôt ce genre de truc-là. Ouais, parce qu'il est resté là. Et là, voilà. Là, il a 5 points de vie. Et puis, ben... Démerde-toi, mon con. Non, mais sérieusement... Ah, shift clic droit pour le récupérer. Ah d'accord, ok. Alors attendez, attendez, attendez. Eh ben c'est d'accord, ok, c'est shift clic droit pour le récupérer. Et si je fais ça comme ça, par contre. Non. Donc il reste sur place. Donc quoi qu'il arrive, il reste sur place. Mais avec shift clic droit, on peut le récupérer. Ok, d'accord. Mais ça m'arrange pas qu'il reste... Enfin... Si, parce que de toute façon, il est destiné à être utilisé... Bon, ok, admettons. Allez. Un peu bizarre ce bug de turtle là. Enfin c'est ouais c'est toile quoi. Bon bah ok. Ok ça marche comme ça. Bon bah écoutez dans ce cas bah il nous reste plus qu'une chose à faire. On va prendre la direction de l'End. Eh oui bah résultat oui. Hein, je vais juste me créer un bouquin pour une fois qu'on sera dans l'End. J'ai de la bouffe. Il me faut rien d'autre que mon Power Fist. Peut-être éventuellement quand même. Ne pas partir à la guerre comme ça sans. Hop, on va quand même recharger la Power Suite à fond. Moi bon, tout, hein. Allez, hop. Même si je sais que ça sert à... Ça ne sert à rien. Voilà, on va laisser tout se recharger temporairement. Ce truc-là, il faudrait que j'aille la réparer. Je sais, j'ai toujours pas ramené ce truc-là où il faut. Excusez-moi, coupure micro, j'ai failli éternuer. Deux choses qui arrivent. Bon.
Voilà, ça je m'en sers juste de temps en temps parce que... Mais bon, si vous l'avez remarqué, hein, niveau charbon, je suis relativement tranquille. Niveau bois, niveau charbon, je suis aisé. Hein. Et encore, j'ai utilisé 5 stacks de charbon depuis... Ouais, quand même, en bien 24 heures de jeu, hein, quand même. Peut-être bien. Bon. J'attends juste que ma power suite soit rechargée. Ben, c'est fait. Ok. Alors j'ai fait exprès d'en faire un max, je vais pas m'emmerder avec les calculs de trigo. Hein. Ah non, pas ça. Ça je vais quand même le garder. Ça va être balancé en... Voilà. Ça je le garde au cas où. L'overworld machin. Ouais, allez hop, hop. Allez. On va voir ce que ça donne en mode... Ok, par là. Ok, premier œil qui a pété. Bon, on va avancer beaucoup, hein, je pense. Hein. Je sais pas si je mettrai en accéléré. Mais bon. Allez, on va traverser tout le biome neige. Attendez, hop. Ouais, ça continue à aller par là. Sur la non c'est pas ça, c'est la carte, c'est dollars, je sais pas pourquoi mais c'est dollars. Ok, je sens que ça va être dans l'océan, je sais pas pourquoi. Bon, j'en balance un ici. Ok, ça serait plus par là. Bon. Ça serait plus par là. Comme par hasard, l'océan, comme je l'avais dit. Ah non. Il serait dans le coin. Il serait dans le coin. Il est là. Hop. Ok. Bon, un peu de copper, on va pas...
Ah, génial. On est bien là. On est bien. Allez, hop. Bon, de toute façon, j'ai ma power suite, hein. Je suis assez cheaté, j'ai pas flippé plus que ça. Bon, torche à droite, hein, toujours. Oh, dégagé. Glow flower, ok, d'accord. J'ai vu que ouais, alors pendant un temps j'étais en crise comment ça s'appelle? De glowstone. Et donc ici je sais que j'ai visité. Ici y a rien. J'étais en crise de glowstone et j'ai vu des plantes qui étaient capables de créer ses pro de générer de la glowstone lorsqu'elle était compressée. Je sais plus compressée ou extraite ou je sais plus quoi. Résultat, ben je l'ai utilisé quoi. Ok, bibliothèque, ouais non, je vais pas prendre. J'ai pas besoin de la bibliothèque parce que je génère des livres à l'aide de canne à sucre. Ben on s'y perd un peu, hein. Ah, c'est vachement grand ce... Ok, d'accord. Un autre... Avec des escaliers qui tiennent à... On sait pas trop quoi. L'acknowledge machin là, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais je les prends. Oh, sympa cette crevasse. Bon. Allez. Hop, ici, ok, d'accord. Ici, il n'y a rien. Ici, on traverse, on remonte. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, je suis à mon point de départ. Ok, super. Bon. Ça me dirait maintenant d'aller par là. Ben, il me semble que je suis allé par là. Ouais, je suis allé par là dès le premier coup. Allez. Bon, technique labyrinthe. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous ne savez pas où aller dans un labyrinthe, il faut toujours tourner à droite. Vous tournez toujours à droite et puis ben vous trouverez toujours la sortie. Il y a une émission sur. Alors, je regarde pas beaucoup la télé, mais il y a une émission sur France 5 qui a prouvé que cette technique-là marchait relativement bien. C'est l'émission On n'est pas que des cobayes.
moment, ils ont voulu voir quelle était la meilleure technique pour pouvoir se retrouver dans un labyrinthe. Ok, d'accord. Ils ont prouvé que c'était la technique, cette technique-là, hein, donc la technique de la main droite, ce qu'on appelle communément la technique de la main droite, qui marche bien. Ok. Bon, donc c'est pas par là. Ce sera peut-être par là. Oh, c'est quoi ça? Salpelter. Ah, d'accord. Ah oui, c'est avec avec Affinity HD, évidemment, elle a une autre tronche. Donc voilà. Donc toujours tourner à droite. Est pas bête hein, dans l'idée hein. Oh, j'adore la petite fontaine là. Ça c'est pas naturel hein. C'est pas censé générer ça ok, ça c'est un autre Ok. Bon après je peux aussi m'aider des yeux d'araignée, enfin des yeux de d'Enderman, mais... Mais voilà quoi, non c'est pas... On va descendre jusqu'où comme ça? Ok, je commence à avoir le fog, je dois être dans la dernière couche du jeu. Salpelter, ça peut m'être utile ce truc-là. Ouais, c'est ça, je suis couche 12. Bon. Bon, allez, c'est sympa ton histoire, mais... C'est par là. C'est par là, je peux rejoindre par là. Ici, j'ai une bibliothèque. C'est quoi ces trucs-là? Oblivion frame. Est-ce que c'est stack? Non, ça se stack. Oh, c'est pour bise. Ouais. C'est pneumatique craft. Je m'en servirai pas. Oh, genre. Ah ouais, en chauve-souris, je peux passer comme ça à travers les. Bon, bah, ok. Truc que je ne savais pas. Bon, Ok, par là. Hop. Et maintenant, où? Par là. Aïe. Bon, ouais.
va bien finir par le trouver. C'est par là. Là, je sors du stronghold là. Ouais, générer un peu à la rage, j'ai l'impression, ce stronghold. Par là. Il me dit par là. Désactiver mon avis, je suis trop descendu dans le stronghold. Faut que je remonte. Je suis pas au bon niveau. Faut que je remonte. Faut passer par là. Hop. Donc je suis dans cette direction là. Donc, je dirais par là. Ok, comme dit ici le... En arrière, bon, donc j'ai dû le passer. Je suis sûr qu'il est au-dessus de moi. Là c'est d'où je viens, mais je suis sûr qu'il est... Genre, mais il est où là? Ouais, il m'indique pas. Je tente un truc. Évidemment, ça c'était à prévoir. Bon, bon, donc les yeux me sont plus d'aucune utilité. Bon. Aïe, oh, j'aime pas les trucs sous terre, ils font mal. Bon, c'est pas par là. J'ai pas été par là. Bordel, allez quoi, je vole, je peux aller n'importe où, je fais un de haut, donc je peux aller n'importe où, enfin c'est... Et j'arrive pas à trouver l'host. Tout ça parce qu'il est trop grand le machin. Ah la galère, allez, si je les jole. J'ai encore des geôles ici. Bon, allez, je creusais que d'un de profondeur parce que... Bon, ici c'est déjà visité. Ah, il y a forcément un portail quelque part, quoi, c'est hallucinant.
tourne en rond, hein. J'en ai bien conscience. Vous en faites pas. Ok, ici j'ai une grande bibliothèque. Allez-y, butez-vous entre vous. Allez, bute le zombie. Je te bute par la suite. Le zombie, mais il en a rien à battre, quoi. Allez, après, affaire réglée. Merci, au revoir. C'est quoi ça? Logistique Matrix, Asset Factorization. Le papier, je peux pas le prendre. Allez, hop. Donc ici, c'est non. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, ça semble être déjà visité. Ok, ici, il n'y a rien. Ici non plus. Ici non plus. Et ici, je retourne ici. Oh le bordel! Ça sent le remake de l'épopée d'un enchanteur où j'avais... Enfin, j'avais pas mis des plombes à trouver les portails une fois que j'étais dans Stronghold. Mais là... Bordel, je suis dans Stronghold, mais j'arrive pas à trouver le portail, quoi. C'est hallucinant. C'est la première fois que ça m'arrive. Qui je connais. C'est pas possible. Il y a un truc, c'est... Bon. Ben moi je sais ce que je vais faire. Je le sens. Je vais la faire en mode pétage de plomb. Mais vraiment pétage de plomb. Dans le sens où... que je vais faire, un peu bien compliqué. Attendez, je me fais juste une big tour. Éventuellement, ce que je vais faire, hop,
F2, F3, F2, bon, je regarde un peu de tête. Moins 500, ouais, moins 530, moins 105, quoi. Non, moins 530, moins 530, 610. Ouais, okay. De toute façon, avec la tour, je la vois, hein. Mais bon. Bon. Normalement, ma base, elle est par là. Ouais. Ah, elle est pas à côté quand même. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me ramener avec une curie. Bah écoutez, on est en mode modé, hein. Je vais pas me faire chier, hein. Je vais poser une curie dans ce bordel et puis ça va être vite réglé. Le portail va se retrouver à nu et puis voilà. Normalement, la curie peut pas détruire le portail. Normalement, je dis bien. Je ferai peut-être un test en créative avant, mais. Mais en toute logique, c'est pas censé se produire. C'est moi ou... Ouais, non, je pensais, mais... On aurait dit du mushroom. Non, non, c'est une petite île verte. Bon. Alors, la question, c'est... Est-ce que ma cuillerée est terminée? Dans ce cas, je prends celle-là. Soit je m'en fais une seconde, qui me servira dans tous les cas plus tard. Celle-là est pas terminée, mais à mon avis, on doit pas être loin. Je vais m'en faire une deuxième. Alors, query, query, query. Ça fait longtemps que j'avais pas fait. J'ai pas fait d'autocraft pour ça parce que je pensais pas en avoir l'utilité. La query. La query. Ce qu'il nous faut, ce sont des Iron Gear. Qui sont avec des Stone Gear. Donc ça, les Stone Gear, c'est pas un problème. Je vais R. Attendez, hop, tout ça, on va balancer. Alors. Des sticks. Donc, c'est pas compliqué. Ça, voilà, hop. Un stack de ça, ok. Même deux stocks, hop, ça. C'est comme ça, c'est fait. Ensuite, donc avec de la cobblestone. Donc, ok. Alors, la query. Ok, donc ce sont des Iron Gear, donc ça, hop, donc compliqué, il me faut de l'iron. Hop. Donc j'ai dit. L'aquari, donc ici, et ça il faut que j'en garde 3. Ensuite il me faut les Gold Gear. Les Gold Gear j'en ai, c'est pas un problème. Les Gold Gear j'en ai. Ensuite il me faut... Dans l'aquari ce sont des Diamond Gear, donc ça. Donc il m'en faut 2, hein, c'est ça? Ouais, il m'en faut 2. Voilà. Ok, donc normalement j'ai ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est que je regarde si j'ai bien une. Non, donc. Il faut que j'ai juste une Diamond Pickaxe. Hop. Voilà, ça pareil, ça aussi c'est bon. Et tout ce qui me manque, c'est un peu de redstone.
ça, ok. Ensuite, il me faut que je dise pas de bêtises. Alors, il va me falloir des engines. Alors, ça, les engines. Combustion. Ouais, c'est cela, hein. Ouais, c'est cela. Bon, il va pas me falloir ça, hein. Il va en falloir que la moitié. Ça, il va me falloir donc un Tesseract. Va me falloir donc des pipes. Donc les des golds et on va en refaire. Donc ça, cela, il va me falloir. Non, bah, c'est ça, ouais. C'était alors, il va me falloir les stones et il va me falloir les. Ah, j'ai plus cela. Cela. Ouais, en fait, je peux me les faire. Alors, il va en falloir que 5. Bon, cela, il va m'en falloir 5 aussi, mais ça c'est fait. Les golden. Cela, je suis pas sûr d'en avoir assez. Non, attendez, c'est pas cela. Ouais, c'est pas, ça coûte pas bien cher ça. Hop, hop. Voilà, hop. Ça c'est réglé. Ensuite, bon, donc bah, j'ai ce qu'il faut à ce niveau-là. Il me faut des Ardennes. Énergie conduite. Ok. Il va me falloir un peu de redstone. Il va me falloir un levier. Et des blocs, j'en ai. Non, rallie-moi. Bon. Voilà. Ah oui, et puis évidemment, il me manque. Trois landscapes. Bon, je pense qu'avec ça, on va être peinard. Et bon, on va y poser tout ça. Plus, on va refaire le voyage de joie. Bon, ben voilà. Bon, on aura encore fait un épisode. Oh, même plus que ça. Ouais, ça va faire un petit peu long. Peut-être que le trajet, je l'aurais mis en accéléré, je sais pas. Mais. Mais ouais, on va poser une query là-dessus, ça tout nous mettre à nu, on va bien le trouver, ce portail. Ça nous fera un gros trou dans la map, mais qu'est-ce qu'on en a carré. Tant pis, hein, on est en mode modé, on en profite. Hein. Vous avez vu le dédale que c'est là-dedans, et bon, ça va bien 5 minutes. Hein. Bon, juste que je vois la direction exacte, mais normalement.
Ok, donc direction le nord. Ok. Là, je regarde le nord. Donc direction, oui. On va déjà faire le nord-est, nord-ouest, je veux dire. Et après, on fera la seconde cuillerée, on la fera au nord-ouest si on trouve pas. Donc c'est pas compliqué. Donc l'ouest, c'est non, par là c'est l'est, par là c'est l'ouest, et par là c'est le nord. Donc on va la poser déjà dans ce sens-là. Ça, deux blocs en dessous. Voilà, là je suis au niveau 80. Allez, hop. Tac. Allez, on va dire jusque-là. Attendez. Donc là c'est les X. Là c'est les X. Hop. Donc 526. Non. C'est les Y qu'il faut que je regarde. Il faut que je reste sur le même Y. 613. Loin. Bon, bah, ça fait rien trop loin. Que si je me mets, est-ce que si je me mets là plutôt, ça ira mieux. Intro. Pas de bol, c'est pas le bon. Ok, là on est bon. Et maintenant, donc là on est en X 500, 526, enfin moins 526.